Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vais faire les tirages du jour. Donc vous proposer deux tirages du jour. Donc voilà, je vais prendre le premier paquet. Ici et ici. Ah, il y en a deux qui viennent, donc je recommence. Et ici. Ensuite, paquet suivant. Donc, vous pourrez choisir le paquet qui vous plaît le plus. Donc, là, soit je suis une petite merveille, soit la pierre. Voilà. Et ici. Donc, l'originalité, c'est que je mélange trois jeux de cartes qui, après, vont rien avoir. Et voilà, souvent, on trouve des liens. Voilà. Donc, il y a deux paquets. Celui-ci, je suis une petite merveille, et le cœur. Voilà. Je vais d'abord prendre je suis une petite merveille. Je vais bouger un petit peu mes petits rouleaux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? J'ai voir dans notre angle, le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et je ressens du bien-être dans cette situation. Nous sommes seuls maîtres de nos ressentis. À nous de faire le choix de ce que nous mettrons en lumière pour favoriser notre bien-être. Voilà. Donc, quand je vois ces trois cartes, je me dis que il est important. Donc, ben voilà, nous avons tous des ressentis. Donc, il est important d'en avoir conscience et de se dire qu'on est seul maître à bord. Donc, c'est à nous de voir quels ressentis on a envie de mettre en lumière pour se sentir mieux. Donc, souvent, ce seront des ressentis, bien sûr, de joie, d'amour, etc., des choses plus positives. Et donc, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à voir les choses dans notre angle. Donc ça nous rappelle ça. Et aussi, ben, quand on est face au choix de l'autre, ben, finalement, on l'accepte. Mais on n'oublie pas de se positionner également. Donc voilà, ça c'est le premier tirage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit commentaire. Et donc le suivant, le tacker, c'est... recevoir, donc l'importance de recevoir. Je partage avec des gens que j'aime, donc toutes sortes de partages existent, des objets, du temps, des idées, une fête, partageons. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc voilà. Donc ici, on nous rappelle de nouveau l'importance de l'intuition et du ressenti et de ne pas se laisser égarer par le mental. Et pour ce faire, on vous invite à apprendre à recevoir, donc pas toujours donner, mais recevoir les belles choses que la vie met sur votre chemin. Et pour ce faire, le bon plan, c'est de partager avec les gens que vous aimez. Donc c'est vrai que pour le moment, ben, c'est un peu compliqué de voir tout ce qu'on aime. Mais voilà, vous pouvez partager des moments au téléphone, par message, voilà, partager des objets, des idées avec les proches de votre famille. Une fête, ben, bon, peut-être pas là tout de suite, mais voilà, prévoir cela. Donc voilà, je vous remonte les cartes ici. Toutes des jolies cartes. Donc ben, voilà, j'espère que le tirage vous a parlé. N'hésitez pas à m'envoyer un message et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.